c'est les mots que je veux dire, c'est Manko Utindamli. Donc je pense que notre slogan, celui de tout un peuple, a eu raison de l'adversité. Et aujourd'hui, au bout d'un combat équipe non-Lyon, épique non-Lyon, nous ont donné le premier trophée de notre histoire. C'est un moment inoubliable, un moment historique dans notre pays, parce qu'on devient vraiment un Sénégal du football triomphant. On a toujours été performant, tout le monde le sait, on a toujours eu les meilleurs joueurs, on a toujours eu les plus belles performances en Coupe d'Afrique, mais il nous manquait cette étoile-là, ce trophée. Aujourd'hui, il est avec nous parce que tout le monde y a cru. C'est l'occasion d'abord, avant les joueurs, avant le coach, de féliciter l'ensemble des Sénégalais qui ont montré qu'ils savent s'unir derrière un objectif qui était un objectif national. Et surtout, il faut saluer aussi l'état d'esprit, au-delà de leur talent, aussi bien individuel que collectif, de cette équipe. Et aussi, la qualité de l'entraîneur qu'on a choisi pendant des années, nous les Sénégalais, Aliou Cissé, un fils bien de chez nous, qui montre qu'avec nos propres ressources humaines, nous pouvons gagner. Bravo à tous les Sénégalais. Nous continuons à utiliser Nindam parce qu'il est deuxième fille. On a tardé à gagner. Maintenant, chaque édition, il faut s'attendre à ce qu'on gagne encore. Leur dire merci, djerejeuf, dilen wax né coupe bi ñom ñoko mom. Je sais que ñu ngi jubiler partout, mais buñu manko wul won nek ben li du am. Di wax aussi tamit les jeunes yi xamné en 2019 biñu joggé fele ci Égypte, ñoñu tertu won fekk ñun pep ñu nan ñu amul découragé. Déglu nañ len joueur yi, déglu nañ len, découragé ñu motax ndam li ñew, ndam li sénégalais yépp ko mom djerejeuf.